Mais où est le garage? Je cherche ce putain de garage, il est où? Il est où? Vas-y, double-moi à toi. Où est mon garage? Je cherche mon garage. Je conduis pas droit. Ouais, je conduis pas droit. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allez, on quiche. Eh bien, bonjour tout le monde les amis, c'est Titi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur American Truck Simulator. Pour une nouvelle vidéo, du coup, pour refaire une petite vidéo, voilà, une petite vidéo bien tranquille. Sur ce, on va démarrer, on va d'abord aller chercher le camion parce qu'on va pas rester en voiture. On va aller chercher le camion et on y va pour une nouvelle livraison. Let's go! Et j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur American Truck Simulator pour parler un petit peu de ma chaîne, etc. On va faire un petit peu le point sur la chaîne YouTube en ce moment même pour pouvoir continuer sur de bonnes bases. Pourquoi je veux parler de la chaîne? Parce que tout simplement, vu que maintenant j'ai le nouveau PC, eh ben, je vais pouvoir faire plus de jeux, premièrement, et plus de vidéos. Voilà, parce que ça me démangeait de faire plus de vidéos. C'est pas que je pouvais pas, c'est que je n'avais pas l'envie tout simplement parce qu'à cause des bugs etc, j'arrêtais pas de friser. Donc du coup ça me démoralisait un petit peu. Que là du coup là je suis tout excité d'en refaire, voilà, maintenant je suis de nouveau d'aplomb pour en refaire. Donc du coup oui, je viens de le dire, je vais refaire des vidéos. On va essayer de reprendre un rythme de 2 vidéos par semaine. À la base j'étais qu'à 1 vidéo par semaine. Je vais essayer d'en reprendre maintenant le rythme de 2 vidéos par semaine. Alors ça va être un petit peu chaud, sachant que je vais essayer d'améliorer la qualité à part derrière, par exemple, voilà, du coup maintenant je capture à 60 fps, comme vous pouvez le voir, juste au compteur d'FPS juste en haut. Enfin, je suis pas à 60 constant, je suis aux alentours des 60, regardez, je suis à 55, voilà, je descends pas dessous des 50. Donc, je suis à 55 fps, c'est largement suffisant, franchement. Donc oui, en gros, ce que je veux dire, c'est que voilà, je vais essayer de mettre des vidéos maintenant en 1080p. Je suis en train de filmer en 1080p, 60 fps. J'utilise le logiciel Shadowplay, hein, pour être franc. J'utilise le logiciel Shadowplay pour capturer. Comme ça, ça me fait perdre absolument aucun FPS. Et franchement, c'est un logiciel qui est très 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 bien. Moi, je vais le garder parce que franchement, il me sert vachement. Bon, il faut juste faire 2-3 configurations, c'est un petit peu chiant à configurer de temps en temps. Mais la capture, elle est nette, elle est précise et elle bug pas. Voilà, comparé à Action Merylist qui me fait un petit peu bugger. Mais Action Merylist, je peux peut-être essayer de le régler, on verra bien. Je peux quand même me capturer avec Action Merylist pour les autres jeux qui ne fonctionnent pas avec Shadowplay. Oui, parce que le Shadowplay ne prend pas en compte tous les jeux. C'est ce que j'ai remarqué, je n'ai pas le truc tout le temps. Par exemple, pour des jeux comme Subnautica, il ne prend pas en compte. Enfin, je pouvais pas capturer avec Shadowplay. J'ai dû capturer avec Action Merylist si je fais une vidéo. Voilà, c'est un petit peu... c'est un petit peu casse-burne dans ce genre-là, mais bon, après, voilà, c'est... Ça me dérange pas plus que ça. Bref, du coup, oui, donc du coup, vous l'avez bien vu que j'ai mon nouveau PC, hein, avec la qualité chaîne Ultra, hein, comme pour ETS 2, bien entendu. 60 FPS, ça fait plaisir. Et du coup, maintenant... grâce à cela, et bien du coup, je vais essayer de faire des vidéos, comme je l'ai dit, à 1080p, 60 fps. Je vais essayer de faire les montages en 60 fps parce que c'est la première fois que je vais faire ça. D'accord, lui, il a tout compris, lui. Il a tout compris. Top. Waouh. Waouh, ça fait mal. J'en perds mes mots. Bon bref, voilà.
Donc du coup, je vais essayer de faire le montage à 1080p cette fois-ci, à 60 fps, pour que vous ayez un contenu plus que convenable. merci, l'appel Steam. Putain, ça, ça casse les couilles, ça, un appel Steam. C'est magnifique. Alors, je vais juste arrêter l'appel. Voilà, c'est bon. J'espère que ça n'a pas trop fait chier pour la capture. Donc du coup, voilà. Je vais essayer de faire les montages dans un résultat convenable et les mettre sur YouTube. Le problème, c'est que sur YouTube, ça risque d'être un petit peu chiant parce que déjà, ma connexion, elle, pour la 720p, je mets 3 heures pour mettre une vidéo en 720p. 23h, 3h30, allez, on va dire 4h. Là, j'en ai pour 8h, quoi. J'en aurai pour un peu plus de temps, mais sachant que je upload les vidéos surtout la nuit, ça devrait faire l'affaire. Bref, du coup, vu que maintenant j'ai le nouveau PC, je vais aussi faire de nouveaux jeux. C'est-à-dire qu'il va toujours avoir Euro Truck, American Truck, Farming, le 17 bien entendu, qui va sortir très sous peu. Il va y avoir également... Rocket League qui va revenir. Rocket League, alors là, Rocket League, c'est la crème de la crème. Maintenant, je fais tourner Rocket League, je le tourne... plus que bien, je fais tourner à plus de 60 fps. Oui, je sais, je m'en vante. Je n'ai pas besoin de m'en vanter parce que je sais qu'il y en a qui ont plus que moi. Mais Rocket League, je le fais tourner très 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 bien. Mais putain, mais c'est un sketch. C'est un sketch. Je suis vraiment une merde. Alors allez, voilà, maintenant, je me suis trop habitué aux 60 fps. Maintenant, je reconduis trop vite. Je conduis trop vite. C'est magnifique tout ça. C'est magnifique. C'est... ah oui, mais là... Bon, pour l'instant, mon PC, il fonce comme une flèche. Regardez-moi ça. Non, on va arrêter les conneries. Allez, on repart, c'est reparti. Donc, je vais essayer de faire d'autres jeux. Donc, il y a Rocket League qui va revenir. Qui revient très, très... sous sa main, sous peu. Voilà. Il va aussi y avoir de nouveaux jeux. Alors, il va y avoir du Scram mécanique. On va faire du Scram mécanique, les amis. Parce que ça fait longtemps que je rêvais d'en faire sur ma chaîne. Et bon, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées de qu'est-ce que je pourrais faire sur Scram mécanique. Alors c'est ça, voilà, c'est le but de cette vidéo. Trouver des idées, faire des petits trucs sur des jeux, par exemple Scram mécanique, des idées de construction. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les dire. Comme ça, j'essaierai de faire comme une sorte de défi, autre comme ça. J'ai pas envie de copier parce que je sais qu'il y a des youtubeurs qui font des défis en construction. J'ai pas du tout envie de les copier, mais voilà, pour faire autre chose, pour montrer... on pourrait essayer de construire une grosse baraque, voilà, on pourrait essayer de faire ça. Une baraque automatisée par exemple. Voilà, on essaye de faire ça. Bref, on fait un petit truc tranquillou sur Scram mécanique. Il y aura aussi du Subnautica. Je dis bien, ouais, du Subnautica. Un jeu que j'aime bien aussi, pour aller chercher des trucs dans l'océan, etc. C'est un très bon jeu que j'ai joué sur mon ancien PC. Mais je jouais tellement, à 7,5 FPS, un truc comme ça, que du coup c'était un petit peu galère. Il va y avoir du Subnautica, il va y avoir aussi du The Forest. The Forest qui est, pour moi c'est un bon jeu d'horreur. Enfin, horreur, je trouve pas trop horreur, mais bon, ça fait un peu chier. Ça fait un peu chier, ça fait un peu chier. Pourquoi je dis ça fait un peu chier? C'est bien sympa, The Forest. Donc du coup, j'en ferai sûrement un petit peu. Il va y avoir également du... j'essaie de me souvenir le nom, du GTA 5, voilà. Alors ça, c'est sûr qu'il y aura du GTA 5, les amis, c'est sûr et certain. J'en ferai sûrement avec Nico Gamer et peut-être d'autres copains à moi, d'autres grands poteaux. J'essaierai d'en faire aussi parce que GTA 5, ça fait un moment que j'ai envie d'y jouer sur le PC. J'ai pas l'occasion, je peux pas jouer parce que c'est simplement mon PC, pouvait pas le faire tourner, que là je peux le faire tourner. Donc j'ai hâte de faire tourner tout ça. J'ai hâte de faire tourner tout ça. Il y aura aussi du de The Crew si j'arrive à le faire tourner, du Ferme Bus Simulator, du Bus Simulator 2016 peut-être. Bref, il va y avoir beaucoup de jeux, il va y avoir beaucoup de nouveautés. Certes, c'est pas des jeux qui vont sortir, qui sont sortis maintenant. Et ça fait un peu qu'ils sont sortis, mais voilà, j'ai envie de les montrer, de montrer un petit peu, montrer mon point de vue et mon gameplay. Ça serait pas plus mal. Allez, on va livrer notre cargaison. Donc voilà, c'était juste un petit point rapide. Je pense qu'on va faire une autre cargaison, les amis, parce que on a livré bien vite. Hein. En même temps, c'est vrai que l'échelle du temps est accélérée sur American Truck. J'avais zappé ça. J'avais oublié. Stop. Alors, on va faire un. On va faire jouer en sécurité. La flemme de faire autrement.
La flamme de faire autrement, c'est là-bas du coup. Ouais, c'est ça. Allez, on essaye de bien tourner, de bien cabrer. J'ai le zoom aussi. Ah ouais! Bon, on va arrêter. Ça fait mal aux yeux, tu vois. Ça fait mal aux yeux. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis pas dans les clous. Je suis un petit peu trop loin en fait. Encore un peu. Là. Là c'est bon. Là c'est bon. On détaille, parfait. Endommagé, oui, parce que j'ai eu un petit accident. Bref. Voilà, voilà. On va essayer de trouver notre cargaison. Donc je suis à Battlefield, je crois. Ou Barstool. Attendez, je sais pas où je suis en fait. Je sais pas du tout où je suis. C'est plutôt de la banlieue de Cheminal. Donc c'est la banlieue de Battlefield en fait. En tout cas c'est ça. Ouais voilà c'est ça. Donc on peut aller jusqu'à Stockholm. Non c'est trop loin. La flemme d'aller si loin. Vous me connaissez, je suis du genre flemmard. Ouais, c'est pas mal ça. Allez, on va prendre ça. Du coup, j'ai ma remorque derrière, je parie. Ouais. Clac. On était de la remorque. Parfait. Allez. Elle est là, ma remorque, tiens. Voilà. Hop. Toc. Toc. Ah oui, c'est vrai qu'on a plusieurs styles de remorque aussi, mais je n'ai pas pris. Alors là, par contre, on va se concentrer. Oh putain, j'ai touché de l'autre côté. Non, ça va, ça passe. Ah non, elle est pas là-bas, elle est là-bas, merde. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette remorque? Elle me fait tromper, bordel. Là, parfait. Ah, ça fait plaisir de jouer en ultra, les amis. Ça fait vraiment plaisir. En fait, de la très bonne qualité. Plus de pixels, rien. Et en plus avec une résolution tout à fait potable, je suis sur 21 pouces et demi. On va essayer de reculer. On va essayer de mettre devant. Ah, avec cette vue, on y voit absolument que dalle. On va essayer de bien caler. Non, j'ai complètement raté, tu vois. Je l'ai complètement raté, les amis. Ah ouais, j'ai... Et pas d'un peu. Hop. On relève la béquille. Et c'est parti. Allez, c'est reparti. On finira pas cette livraison, les amis, mais on va juste rouler un petit peu, histoire de s'occuper. Bref, voilà, donc du coup, vous l'avez compris, je l'ai dit, nouveaux jeux sur la chaîne qui sont très attendus. Ça va arriver sous peu. Il va y avoir aussi d'autres jeux, mais je vais pas tout dire, hein, si je compte toute ma bibliothèque Steam, on est sur le moment. Il y aura aussi du spin tier, hein, ça c'est sûr que j'en referai. Il y aura aussi du... je sais pas moi. Il va y avoir tous les jeux Steam que je peux avoir. Du The Crew sûrement aussi. Hein, il y aura peut-être du The Crew. Si j'arrive à le faire tourner parce que tout simplement je n'arrive pas à le démarrer. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait encore lui? Ah non, c'est normal. Je sais pas pourquoi il va pas tourner, il va pas démarrer en fait. Ça m'embête un petit peu. Sur l'ancien PC il démarrait mais il crachait parce qu'il n'était pas assez poussant. Et là il démarre pas du tout. Donc c'est magnifique. Du coup voilà, je vais montrer beaucoup plus de jeux et ça sera pas plus mal. Concernant FS17, il y en a qui l'ont déjà, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà. Il y en a qui sont pressés de faire une vidéo, moi je trouve ça un petit peu... Je voudrais me parler parce que je trouve ça, les gens qui font ça, un petit peu idiot en fait, parce que c'est, certes c'est la nouveauté, voilà, mais moi je trouve que c'est juste pour faire, c'est juste pour être putaclic, en gros, c'est juste pour avoir des vues en fait, tout simplement. Et ils ont le jeu en avance et du coup ils en profitent pour faire des vues, moi je trouve ça pas, correct, personnellement. Le jeu sort en avance peut-être pour certains, tu le trouves déjà en magasin, alors qu'en fait il sort que le 25.
Donc en fait, moi je, perso je l'ai acheté sur Steam. Donc en fait, je me suis fait niquer parce que FS17 est déjà sorti des magasins et moi je l'ai toujours pas. Je l'ai sur Steam, mais il est toujours bloqué jusqu'au 25. Donc du coup, en gros, je me suis bien fait baiser la tronche. Et ça me fait un peu chier quand même. Mais bon, c'est pas grave. Dès que le jeu sort, je fais obligatoirement une vidéo dessus. Je vous le promets. Je fais une vidéo et je le poste directement sur YouTube. Ça c'est sûr que je ferai une vidéo dès la sortie du jeu. La sortie officielle, de toute façon, je peux pas faire autrement. Je peux pas faire avant parce que je vais pas aller acheter le jeu en ville pour faire une vidéo. Parce que sinon, si je vais en ville, déjà, déjà c'est le week-end. Donc, voilà quoi. C'est le week-end, donc ça sert strictement à rien. Et c'est le week-end, je tourne cette vidéo le week-end, mais je vais pas aller le chercher en ville. Et pour aujourd'hui ou pour demain, tourner la vidéo juste après. Sachant que le lendemain... putain, mais il faut que j'arrête avec les virages, moi. Sachant que le lendemain, le jeu sort sur Steam, donc ça sert strictement à rien. Je préfère attendre, tout simplement. Il faut attendre combien? 2, 3... Allez, le jour où je tourne vidéo, je tourne le samedi, il faut attendre 3 jours. C'est rien. Franchement, c'est rien. J'ai de quoi faire avec tous mes jeux que je dois tester et que je dois capturer. Parce que dès que le jeu marche, je capture. Pour vous montrer une vidéo rapidement. Donc, entre tout ça, voilà, j'aurai pas le temps de... Voilà, j'ai pas le temps de liaiser, comme on dit. Bref, autre chose aussi. Concernant les lives. J'en ai fait un l'autre soir. Il était plutôt bien. Tout s'était bien passé. Ça a bien marché. Malgré le vieux PC. Maintenant, très bonne nouvelle, je n'ai pas encore testé, mais je crois que les lives, maintenant, ça va reprendre, parce que maintenant, j'ai le PC qui tient très bien la route, donc je pensais que maintenant, les lives vont reprendre. Oui, vous avez bien entendu, ils vont reprendre, je vais refaire des lives sur Twitch. Mais le problème, c'est qu'il faut que je reconfigure tout, il faut que j'ai envie de changer aussi, j'ai envie d'avoir du changement. Question bannière, etc. Donc je vais demander à quelqu'un si elle veut bien, me les faire. Et je vais demander à une personne si elle veut bien me les faire. Je connais quelqu'un qui pourrait me le faire, donc je vais demander et j'espère que ça marchera. J'espère que ça marchera, bon il n'y a pas de raison. Mais bref, voilà, il va y avoir beaucoup de changements ces temps-ci, donc par contre, je vais pas attaquer les deux vidéos par semaine de suite. Parce que déjà, premièrement, je dois télécharger tous les jeux. Là, j'ai téléchargé qu'un quart des jeux sur Steam. Parce que j'ai aussi mes mises à ligne qui... J'ai les mises à ligne aussi qui sont par derrière, donc je peux pas mettre... Je peux pas télécharger pendant que je mets en ligne, parce que sinon ça tire trop sur la peau et après ça ralentit des deux côtés. Donc je peux pas, je suis obligé de... Vous savez, c'est pas facile. Donc du coup, laissez-moi le temps de tout télécharger, de m'habituer... de m'habituer quand même au PC, parce que je sais pas combien trop bien comment il réagit encore. Voilà, laissez-moi le temps de bien me mettre dans le bain. Et après... on partira sur un concept de deux vidéos par semaine. Laissez-moi le temps de prendre un petit peu d'avance parce qu'il faut que je prenne un petit peu d'avance niveau vidéo. Et il faut que je tienne le rythme niveau montage, etc. Donc laissez-moi le temps. Juste, je dis juste laissez-moi le temps. Voilà, tout simplement. Ça va arriver. Et quand j'aurai trouvé mon rythme, et bien après ça partira tout seul et il n'y aura plus de soucis. Allez, mais tiens, puisqu'on est arrivé, on va livrer la cargaison. Allez. On va livrer la cargaison, les amis. Allez, j'étais 57. Alors oui, franchement, ça change de la qualité élevée. J'étais en train de lever le moyen. Hein. On va pas le cacher. Là, je suis en ultra, on voit même les reliefs. Putain, c'est magnifique. je redécouvre le jeu vraiment. Avec les chromes et tout, tous les chromes qu'il y a sur le camion, mais c'est magnifique. Regardez-moi ça. Putain, mais j'adore ce jeu maintenant. Regardez, dans le rétro, on voit tous les trucs. On voit même le relief de la route, de le pot d'échappement. On voit même le relief de le pot d'échappement et tout, c'est magnifique. Hein. C'est juste magnifique. Putain, mais il s'arrête, c'est bande de blaireaux. Allez. Ah ouais, putain, mais les reliefs, mais ils sont magnifiques. Je suis content d'avoir quand même un PC qui tient la route maintenant. Je suis quand même content. Bon, certes, c'est pas le plus puissant de tous, mais il fonctionne très très bien et il marche très bien. L'autre, regardez comme il double. Il est en train de doubler là-bas. Il prend large pour doubler quand même. Il est obligé de ralentir après. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Alors là, le zoom, vous voyez, là, il fait très bien son effet. Là, il fait très bien son effet. Franchement, oh putain.
On va se mettre en mode extrêmement dur. Ah maintenant, écartez-vous les amis, parce que ça va faire mal. On va essayer de faire comme ça. Tac. Alors maintenant, c'est pour reculer. Alors là, maintenant, on va se concentrer. Alors là, ça va être chaud, les amis, ça va être chaud bouillant. Parce que c'est très... C'est pas très large. Elle est où la furie là-bas? Alors attendez, on va faire demi-tour déjà, premièrement, pour commencer. Là, marche arrière. On va se mettre en seconde vitesse de marche arrière. Ah mais c'est magnifique les reflets. Franchement, je suis bien vu que je suis un ultra, donc c'est parfait quoi. Ça fait plaisir de jouer avec un jeu qui a une très bonne qualité niveau graphisme et un 60 fps. C'est magnifique. Aïe, ça touche. D'accord. On va se mettre en troisième vitesse. Et ben on n'a pas trop galéré tant que ça finalement. C'est sûr que 60 fps c'est mieux que 15 fps mon gars. Parfait. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Cargaison livrée, cargaison excellente. Mais bien sûr, attendez, je suis un conducteur professionnel maintenant. Bah, c'est-à-dire que maintenant, je peux mieux gérer les virages, etc. Enfin, sur ETS 2 et ETS, je peux mieux conduire, vu que j'ai plus d'FPS. Et... Donc du coup, je peux mieux gérer tout ce qui est virage, etc. On va se mettre comme ça pour la petite photo de fin. Oui, je tourne toujours les roues, parce que ça fait beaucoup, pour moi, beaucoup plus stylé. Ah, c'est parfait. Avec la qualité, mais c'est magnifique, quoi. C'est magnifique, putain, mais je suis sous le charme de ce graphisme. Je suis content d'avoir ce nouveau PC, les amis. Mais ça s'entend, je suis super content. Je suis plus que content, les amis. Maintenant, les flous, etc. Je peux tout régler, 60... putain, mais je suis au maximum que je peux faire. J'ai un ultra 60 FPS avec une bonne carte graphique. La vidéo setup, je l'ai dit, elle arrivera, bien entendu. Elle arrivera, mais en début 2017. Bref, on va s'arrêter là sur cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, laissez-moi le temps. Tout va revenir très vite. Merci à tous. Moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao tout le monde.